Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes venus de son Brawl Stars. Aujourd'hui ce sera une vidéo test d'un brawler. Oui, car j'ai eu un nouveau brawler dans une grosse boîte du Brawl Pass que j'ai fini. Et ben, j'ai pas filmé parce que j'ai pas juste ces grosses boîtes que j'avais eu, donc j'ai oublié de filmer. Donc ce nouveau brawler, c'est un brawler mythique. Donc là vous voyez tranquille brawler. Et j'ai un brawler que je veux un plus. Aussi j'ai eu Star Power de Poly et Recharge. Juste après, donc voilà. Donc si vous l'avez vu, c'est Jean. Donc là, on va le tester, on va jouer un peu avec lui dans plusieurs modes. Donc il est pas très haut, on est en 12, donc ça devrait passer. Donc les modes où Jean est très fort, c'est Razia, il est très fort en mid. C'est lui qui prend les gemmes, c'est lui qui met, qui empêche de régène, voilà. Vraiment très fort. En survivant, il peut être bon. Surtout en duo, il peut être très bon avec le Star Power. Le Star Power régène. Vraiment très bon en duo, donc je vous conseille de le jouer parce que c'est un soutien. Donc vraiment très bon en duo. En brawl ball aussi très fort. En zone réservée, je ne vais pas tester parce que je ne veux pas en zone réservée. En siège, très bon. Il y a juste en braquage où il est mauvais. Pas moi, quand même, il n'est pas très bon quand même. Mais et en prime, ça va. Donc on va commencer une petite game. On va commencer en Razia, même si c'est pas sur map parce que vous voyez, c'est plutôt une map où on peut jouer peut-être des Rosa sur cette map. Donc bon, on n'est pas très haut, donc on va essayer quand même de carry nos coéquipiers. Ok, donc on commence la première partie. On tombe contre un Wally, donc ça veut dire qu'il peut être bon. Parce qu'il a Wally, tu peux avoir un nombre de trophées assez... Moi, j'ai toujours pas Wally. Ok, Nani. Ça me... Vraiment, Nani, là, ça me... Enfin, ça me tue, parce qu'il m'a mis à 40 HP. Ok, j'aime pas cette partie, déjà. Mais par contre, un grab peut tout changer. Ah bon, je voulais pas grab lui. Je voulais grab le Nani. Bon, moi, j'ai reçu mon grab. Moi, j'ai pas fait, mais là, auto-shooter vos grabs, vraiment. C'est conseillé par les pro-players. Je vais essayer de le ramener, le Nani. Je vais essayer de le rap. Oh non, dommage. Mais moi, je passe pas un réflexe pour moi. Je vais auto-shooter ce grab. Mais vraiment très utile, le grab, vraiment. Un des meilleurs atouts de Jean. Ok, il a mis bip. Faut pas qu'il... Ok, il l'a mis sur Monsieur M. Ok, je prends les deuxièmes. On est mal, là. Pour être transparent avec vous. Oh là, si on pouvait tuer une Nani. Oh oui, oh oui. Oh, parfait, ça. Non, dommage, hein, j'ai pas pu, je pouvais rien faire. Bon, là, je vais essayer de grab le Wally, qui est plutôt plus facile déjà à tuer que le Nani. Si j'arrive à le grab, ce serait plutôt nice. Oh, bien joué ça. Non, je veux pas grab lui. Monsieur M, faut qu'il soit avec moi, Monsieur M. Oh non, je suis nul. Oh, première défaite. Oh, bon. J'étais plutôt bon en face, mais... Ah, dommage, c'est vraiment trop mal. Bon, on va partir. On va en boule, après on fera du solo. J'étais plutôt contre des bons joueurs avec Jean. Je sais pas pourquoi, normalement, je trouve qu'on est nuls. Bon, un Jean en face et un Mortis. Bon, ça, nous on a Max et Emery, c'est à dire qu'ils sont plutôt au trophée normalement. Donc, bon, tu peux très bien avoir Emery et Jean à très bas trophée. Et à bas trophée, Mortis peut être très nul. Hein. Parce que si. Ça peut être très mal joué. Hop, comme ça tu vas pas nous énerver. Hop, parfait. On marque le premier but. Ok, donc Jean c'est plutôt aussi un brawl ball, un mid. Dans souvent tous les modes, c'est un mid en siège aussi. Bon, du coup, on voyait pas. Mais voilà, donc il y a beaucoup. Vraiment, Jean est un. Je bug un peu là, comme j'ai pas fluide. Allez, il marque. Oh, dommage, il marque pas. Non, j'ai pas quand même. Ah, oh, dommage. Il a été un peu plus long. On met le petit rebond. Donc là, on gagne cette partie.
tranquille. On va partir en solo. Ok, c'est parti. On lance la partie. Donc là, la map d'aujourd'hui, c'est Famille le Festin. Une map où il y a des caisses au mid, mais on va pas les prendre. Donc là, on pourra très bon sur une map Billy Jackie. Oh, c'est fort. On peut avoir plein de caisses en même temps. Ok, bon, Jean, c'est pas très amusant pour faire les caisses avec lui. C'est pouvoir 1, ça fait pas beaucoup de dégâts quand même. Je vais prendre que ça. Bon, je vais prendre un peu sur lui. Hop. J'ai pas envie de faire. Non, je vais tout foutre comme un débile. Ok, là au début de la game, ne pas vous faire des kills, jouer tranquille, farmer votre grab, surtout vraiment c'est très important de farmer son grab. Parce que quand on a son grab et qu'on l'utilise, on a tout de suite son autre grab après. Donc pour pause, ça c'est plutôt bien. Ok. Oula. Oh, il m'a mis tellement haut. Je sais pas si c'est. Ouh, j'ai eu un gros bug. Bon, j'ai joué le grab. Bon, c'était pas une bonne idée. Quoi? Ah non, je veux refaire une partie là. Je sais pas possible. Non, mais je joue trop mal, c'est pas possible. Bon, Jean, je viens de monter en duo survivant. Déjà, pas sur cette map. Je sors plutôt une map. J'ai pas très bien les noms en tête. Attends, je vois pas très bien. Donc, la BA, elle nous massacre hein, parce qu'elle nous tout shot. Donc, au mid, ça va être n'importe quoi, tellement qu'il y a de caisses, tout le monde va se ruer dessus. Si la BA pouvait pas régène, ok, elle régène. Par exemple, je prends l'une. Donc, il y a un sort là-haut. Donc, gratter son ulti, j'ai déjà la boîte. En plus, Jean a vraiment son ulti rapidement par rapport à des brawlers comme Tara, des brawlers comme. Comme Jesse même. Oula, là, ça commence plus dur là. Il y a Franck avec Popo. Ok, on va même un peu l'aider. Ah oui, sympa, je sais qu'est-ce, mais tant qu'on peut. Ok, elle gratte sa grosse piqûre. Ouais, elle me touche. Oh là, j'ai pas envie de le chercher. Lui. Oui, il aime pas trop envie de le chercher. Si je pouvais pas me rush, ça serait cool. Ok, il part au mille. Voilà, il y a un franc quand même là, mais là il est énervé. Hein. Je vais chercher la bille. J'ai mon crabe. Bien fouillé dans les bûches. Oh ah, j'ai grave un, je les grabe pour rien en plus, mais bon. Bon, c'est pas grave, on va arrêter tout en solo, parce que Dune, c'est pas le meilleur en solo. On va partir en siège. Donc, c'est parti. Après, je n'ai que pouvoir 1, c'est sûr que ça aide pas. Oh, j'ai pas vu la map. Allez, pas ouf. Ça aide pas pouvoir 1, c'est sûr que. Ok, je prends ça. Ah, dommage. Je voulais grab pour que je la tue juste après et qu'on mette ce boulin que je viens de prendre. Je savais pas qu'elle allait se suicider. Sur notre bon. Je vais être pour elle. Ok. Donc. Il y a un nouveau gadget de Jessie. On n'a pas eu le Poco. Dommage. Un bien aimé. Aussi, Jean très fort en siège parce que vous pouvez grab le robot. Ou ouais, quelques petits coups comme ça quand même. Vous pouvez grab le robot. Et adverse, bien sûr. Et comme ça, il revient loin. Hop. Lui, c'est fini. Et on a fini avec lui. Oh, dommage. Je voulais grab un des deux. Parce que je l'ai tué sinon. Ok, donc là, on a deux boulons d'avance. Deux encore. Non. Il faut vraiment tuer Serge. Ok, parfait. Le boulon, il va être. Je vais le prendre après, hein, bien sûr. On sécurise. Donc là, on n'avait pas beaucoup de. On met pas beaucoup de pourcents. Je vais plutôt m'occuper de la tourelle, moi.
parfait, ça. Oh non, j'aurais bien aimé le tuer. Oh, j'aurais bien aimé le tuer. Dommage. Parce qu'il était niveau 4. Hop, là aussi très fort ça de pousser sur notre tour, sur notre tourelle. De pousser, de attraper, de grab le brawler sur notre tourelle. Donc du coup la tourelle met du 2000 dégâts à peu près. Donc plutôt fort. Donc là on va finir normalement. Donc j'aurai fini avec 4 en siège. On va prendre la petite grosse boîte tranquillement. Il faut pas que ça soit M. Ok, c'est gagné. En partie en siège. Donc plutôt victoire. La game, on l'a maîtrisé. Ils ont aucun robot. Donc on finit la quête en siège. Donc vous avez vu Jean très fort. Bon là, on n'avait pas une très bonne notion de mid avec Jean. Pour ce qu'on voit. On sait jamais. C'est ça qui n'aime pas. Dommage. Mais je sais ce que je peux améliorer. Oh, je peux l'améliorer. Parfait. Pour le mettre. Est-ce que je l'améliore? Moi je vais quand même l'améliorer. Pour le mettre pouvoir 9. Et débloquer peut-être un de ces deux star power. Ou une grosse boîte. Non, ce sera pour demain. Attendez, juste, je garde quand même mes quêtes. En radio, bon, on va pas le faire. Donc, on va faire peut-être une partie en zone réservée. Et on va se quitter. Ok, bon, j'ai jamais testé de jeu en zone réservée. Je suis vraiment très nul en zone réservée. Donc, là, il y a trois zones. Il faut savoir plutôt fort d'une, parce que tu peux empêcher des champs de régène. Mais ouais, le problème de zone réservée, c'est que si t'as pas des bons mates, bah t'as perdu. Moi je vais rester sur mon coin. Bon là pour l'instant on va gagner parce que ici ils se mettent que sur une tourelle. Moi je prends l'autre. Bon, je garde un peu l'avance sur ma tourelle. Et un gras bien sûr aussi peut changer la donne. Ok vas-y, go. Là on y va. Ok, let's go. Oh, dommage, oh, je suis nul. Je crois que le nani peut être moins important que moi. Au mid. Ok, c'est bip. Ok, ça c'est bien. On les empêche. Vas-y, go. Faut que quelqu'un aille dans leur tourelle. Ok, je l'ai pris. Je l'ai eu. Toi, viens ici. Ok, parfait. Moi je pourrais rien faire sinon c'était la mort assurée. Oh non, dommage. Bon, en tout cas, c'était un peu une mauvaise idée de le grab. Ok. Bon, ça part pas, ça part. Ça passe pas. Ok, c'est parti. Allez, il reste 3%. Ok, on va le faire. Le Poco, il peut aussi, s'il se heal. Ouh, je me suis pris une grosse tatane là. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, depuis tout à l'heure, on gagne 1%. Poco, est-ce qu'il peut gagner? Il peut gratter? Non. On va pas perdre comme cette partie, elle est si proche du but. Non, mais c'est... Non, on va quand même pas perdre. Attends, j'ai peur, là. Allez, Poco. Ok, 1%. Et c'est la victoire. Pour notre équipe. Donc, on va se quitter. Donc, n'oubliez pas les pouces bleus, bien sûr. Sur ce, on va se dire ciao.